Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait des pato gastriques over-repo pour un Xelor PVP et il faudra caler un PO dessus. Alors on verra si on a quelques tentats ce soir, on va pas forcément le tryhard dans l'immédiat. Mais à terme, il me faudra des pato gastriques over-repo PO. Voilà, et je suis bien content de faire cet item parce que je sors d'une session d'une semaine de FM sur un arc corrompu. Et là, de passer sur un item appui PAPM, ça va être un petit peu plus relaxant. En tout cas, j'espère. Hein. On ne sait pas comment ça va se terminer tout ça, mais sur le papier, c'est quand même censé être un peu plus reposant. Donc, on a ici 97 depuis. 97 depuis. On va devoir over la Vita pour commencer. Oh, on commence. Et première rune du premier puits sur cet item, on a un petit crit stylé. Moi je dis ça, je dis rien. Rune tacle, hop, ensuite il va nous falloir. Je vais garder la rune chance pour la fin parce que je partirai en over repo sur l'over. Donc on va faire tac. Bon, allez, les crits dans tous les sens, c'est juste parti en fait. Moins 9, mais ça c'est pas trop moche comme première tenta, ça dites-moi. Ça va être du full perf, ça je reconnais. Et on a pas mal de puits. Que j'ai 67. Faut passer l'arrachat. Ok, c'est un peu chiant. Dommage, on perd beaucoup là-dessus. Il me reste 37 de puits. Bon, je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà, ça va être vite vu. Est-ce que j'y vais sur de la repo ou sur de la pain repo? On va y aller repo pour dans un premier temps en tout cas. On va y aller en fusionner. Ah mais ouais, bon, il faut bien que je compte les succès crit. J'ai un succès crit. Et il faut que j'arrête avant d'arriver en positif si des fois on arrive jusqu'ici. Pour l'instant, un succès crit. Ok, j'en ai encore une du coup. Qui passe. Bon, on est sur un petit 15 over repo, c'est déjà pas trop mal. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA, mais. On a 80. Non, on a 105 de puits. Ah non, j'ai 5 de puits, c'est de la merde. J'ai récupéré que 5. 2, 3, 4, 5. Pas de PM, dommage. On continue. 87 de puits. Hop, on va garder pareil l'intel pour la fin. Oh oui, c'est bien ça. Moins 3. Tac, tac, tac. Moins 10. Ça me paraît tellement facile à faire comme FM après l'arc corrompu qui m'a enlevé quelques années d'espérance de vie, je pense. Rainé. Allez, faut pas troll là. Voilà. 44. En vrai, objectivement, il faudrait plutôt que j'aille à la part époux. Hein. 44, ça c'est 7 par époux et 2 époux, tant qu'on est dans le négatif. Faut faire gaffe parce que sur le switch à 0, les runes elles se remettent un peu. Alors oui, j'aurais peut-être pu expliquer ça. Quand on fait de l'over comme ça, le poids des runes est divisé par 2, donc là les époux elles pèsent 1. Mais par contre, pour celles qui m'amènent à 0 et plus, ça repèse le poids normal. Donc voilà, faudra faire gaffe à ça. Par exemple, il faut pas qu'à moins 3 je mette une paire époux, surtout pas. Il faut qu'à moins 3 je mette une répou pour moins 2, moins 1, et qu'à partir de moins 1, après, les runes elles pèseront leur poids normal. Bref, donc il me faut. Là, vas-y, j'essaie de tenter par époux. C'est un peu nul, hein. Du coup, j'en ai encore 2. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça passe moins bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas un échantillon très significatif, mais. Ça m'a l'air de nul à chier cette histoire-là. Bon, PO, PM, 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 pas de PA. Donc on a. Oh bah oui, c'est bien ça. Tac, tac, tac. 73 de puits! En vrai, par contre, là, ce qui est cool, c'est que je peux bourriner les passas pour aller chercher le perf, sagesse. On est d'accord ou pas? Si j'ai du crit un peu, ça peut stylé. 1, 2, 3, 4, 5, moins 45. Il me reste 28. Bon, je crois qu'on va oublier les paires époux quand même. C'est parti. On regarde bien les crits à gauche. Un crit. Faut que je sois prêt à faire stop si je m'approche de 0, mais je pense que je suis quand même assez large. Hein.
Ok, j'ai compté un crit. Bon, ça commence à être un peu chiant. Ce qu'on va faire, ça va être PA. Et en vrai de vrai. Ouais, bon alors j'ai remis du PM parce que j'avais pas grand chose d'autre à faire, mais vous me connaissez, moi j'aime bien faire du double puits là-dessus. Donc, enfin, quand je dis double puits, c'est plutôt du double succès crit en PAPM, quoi. Bref, on verra comment on enchaîne ça. Allez, on continue. 89 de puits. Allez, on va commencer par une petite pavie. J'ai des congruences nickel là sur les stats. On va y aller comme ça. Allez. Ok, c'est pas très cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aïe. On va mettre un petit dos par là, un petit tacle par là, moins 4. Allez. Moins 9. Moins 6. Moins 7. Moins 15. Moins 8, bah décidément, il reste plus grand chose. Oh, puis bah c'est pas de chance. Ok, bah du coup, en vrai, bah, je vais continuer en double puits, je pense. Et comme ça. Ah, bah oui, mais. si on casse le PA, peut-être là. Non. Bon, moi, bah, je continue comme. Mais. Attendez. Bon, voilà, je continue comme ça. Et quand on casse le PA, du coup, on fera le plus PA et on essaiera de finir par crit PA, crit PM. Et comme ça. Comme ça, on fait de la dinguerie, moi, hein. On n'est pas n'importe où ici. Vous savez comment ça se passe. Allez, on continue. 98 de puits. On va commencer par. Ah, c'est compliqué parce que je vais avoir plein d'over à faire là. On va mettre ça déjà. Moins 9. Bon, je vais finir par les over du coup. On va remonter juste ce qu'il faut. Moins 7. Tac, tac. Moins 10. J'espère ne pas trop me faire troll. Ok. Hop. Bah c'est bien ça, voilà, ça c'est le cas de figure parfait. C'est-à-dire que quand j'avais un over-repool, lâcher un crit, comme ça retape pas et on est parti en fait. Donc là il me reste 53. Vous voyez l'intérêt de faire comme je fais avec le PA et le PM tombé, bah, c'est que l'item monte beaucoup mieux et là on a des grosses grosses tentas. Donc si je compte les deux que j'ai sur la chance, j'ai 55. Là on commence à envoyer de l'attentat qui ressemble à de l'attentat, vous voyez ce que je veux dire? Allez. On surveille les crits à gauche et je suis prêt à faire stop si je m'approche de 0, un crit. J'ai eu un crit pour l'instant. Deux crits. Trois crits. Donc là, il me reste 4. Il me reste 4 et là faut que je fasse gaffe parce qu'à partir de maintenant elle pèse plus 1, elle pèse 2. Donc j'ai 2 tentas. On peut faire une et deux. Et là j'ai plus de puits. En vrai c'est joli là. Hein. Là on a un over de 19, donc si on raisonne en termes de puits, bon ça c'est un raisonnement qu'on fait souvent en tant que forge mage qui a ses limites. C'est un peu plus qu'un 3%. Un 3% ça pèse 18, là on a 19. Pas de PA. On continue. Bon là on voit l'intérêt de ma technique, c'est que juste avant que ça tombe en fait j'étais sur un jet qui était quasiment du near perf. Donc là il n'y a presque rien à remonter, c'est juste une dinguerie. Allez, moins 6, 90 restants, on va mettre... La question c'est l'over, est-ce que je le mets à la rat ou à la pas? Là, c'est un peu compliqué en vrai. Le chat me dit plutôt rat.
Compliqué. Merci beaucoup pour ton Prime, Nazis33. Bon, tu me diras. Bon, bah, dans ce cas, si les subs me disent Ra, moi je gora. Hein. Ok, moins 20, ça va, c'est legit. La question c'est est-ce que je force la pavie à 350? En vrai, oui, on va complètement faire ça. Mais bien sûr qu'on fait ça. Évidemment. Alors là, je sais pas pourquoi, mais je me retrouve avec littéralement 73 Tantarepou. On est où en fait? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors la sagesse à troll, évidemment, ça c'est un peu unlucky. Allez, on va compter les succès crit, hein, comme d'hab. 1. Oh, c'est tellement jouissif à faire. Ok, on va passer un manuel. Pour l'instant, je suis toujours à un succès crit. Il me reste 18. Hmm. 18, donc en fait 19. Donc là j'ai 19 depuis, donc j'ai un dont je peux rien faire et j'ai 3. Non, j'ai 9 tantas. Donc 3 tantas à la pas ou alors 9 tantas à la simple. En vrai, j'ai presque envie d'y aller plutôt à la pas. Attends, le mec qui vient de sub là, du coup, comme c'est toi qui as call l'attentat. 9 répoux ou 3 pas répoux? Nasis33 qui vient de Seb. Tu choisis. Trois répous et deux pas répous. Ah d'accord, le mec qui veut faire le hipster là. Bon, bah très bien. Une. Alors non, zéro. Une. Deux. Trois. Et donc deux pas. Oh, l'attentat de ouf. Bon, maintenant c'est juste deux runes à crit. Si vous voulez. On n'a pas le PA. Aïe aïe aïe. Bon, tantôt un peu sorti de nulle part en remontant le G, mais on prend. Il va falloir juste du crit là, mais tranquille. Ok, moins 30. Tac et tac. Moins 13. 50, bah écoutez, c'est juste parti en fait. Allez, on compte les crits. Oh, j'aime bien, je vois beaucoup de verre, ça me plaît. Ok, un crit. Ok, moins 2. On n'a pas le PA. 95 depuis. On va y aller comme ça. Ok, ça me plaît. 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. Normalement, je fais plutôt les over en priorité, vous voyez, mais comme là, on va faire un over derrière sur les répoux, je préfère la garder à la fin pour si des fois on a le même cas de figure que tout à l'heure où on crit et du coup on part déjà avec un over. Moins 9, on va y aller sur la Vita qui crit, ça met bien. En vrai, je vais mettre une réfixe plutôt qu'une répoux. Pourquoi? Parce que si j'ai deux répoux là pour l'enlever, j'ai deux chances d'avoir un moins 6. Alors qu'avec une réfixe, j'ai qu'une chance d'avoir un moins 6, et donc. Enfin, plutôt qu'une occasion d'avoir un moins 6. Hein, voilà, donc c'est plus intéressant pour viser le full perf, et moins 10, voilà. Enfin, je veux dire, je pouvais avoir moins 10 ou moins 11, vous voyez. Alors que si je mettais deux répoux, je pouvais avoir moins 10, moins 11 ou moins 12. Donc bon. On y va comme ça, on optimise évidemment, comme toujours, le petit crit avec le lag qui va bien. Et là, on peut y aller par contre. Oh oui, c'est bien. Ok, donc j'ai moins 9, 64 tenta du coup. C'est du full perf ça, je reconnais ça. Bah c'est juste parti en fait. Un crit.
ça pouvait repasser sur un jeu aussi propre, ça me mettrait très bien. Pour l'instant, j'ai eu un crit, deux crits. Donc il me reste 18. C'est parfait. 18, c'est 3 par époux. Ou alors... C'est vrai que ça peut être stylé d'y aller d'abord à la ripou jusqu'à 0. Parce que ça fait plus beau, vous voyez ce que je veux dire? Même si du coup on perd un peu de variance, c'est quand même là on est là pour faire pour le style quoi. Vas-y, on va faire ça, on va faire 9. Bah ça c'est l'item parfait, c'est si vous voulez, on a tout full perf, on a juste enlevé le malus. Ça c'est joli quand même. Là on est sur un truc stylistiquement, ça a vraiment de la gueule. Est-ce qu'on a le PA les amis? On n'a pas le PA. 99 depuis. Encore une fois, un jet de départ qui est bien haut. On va go ici. Dos feu. Allez. Ça va, ça se gère à peu près, on va dire. Ok, bon, malheureusement, je perds beaucoup comme ça. Je peux espérer peut-être choper un moins 9 avec de la runini. Non. Ok, donc là, j'ai 10 dini et j'ai 38. Donc 39. C'est parti. Ah, le chat me dit que je me suis trompé. T'as fait moins 18 au lieu de moins 24. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement. Merci. Merci le chat. Donc il me reste 17. Vous êtes au top. Merci beaucoup. Un crit. J'en ai vu qu'un de crit. Hein. Ouais. Ok, bon, c'est pas ouf, mais... On n'a pas le PA. 97 depuis. On peut forcer Pavi, je pense. C'était un peu la meilleure chose à faire. La chance, c'est parti. 1, 2, 3, 4, moins 12. Oh oui, le cri de sagesse qui me met trop bien. Allez. Yes. 60 depuis, c'est parti. Ah, non, j'ai plus de runes, vraiment, c'est ma vie, ça. Alors... Je sais ce que je vais faire. On va y aller comme ça. Moins 2. Donc là, il me reste 58. Là, je vais bourriner les parépoux. Je peux mettre 19 parépoux en vrai. Et après, il me restera un de puits, du coup. Est-ce que c'est vraiment opti? Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça me plaît pas trop, ce que je fais, là. C'est pas très stylé. Après, bon. Puis on va racheter des runes MDR. Non, mais t'inquiète, prochaine tenta. T'inquiète, bien se passer, regarde. Tac. Le but c'est de viser d'arriver pile à moins 1 en fait. Hop, et là il me reste 4.
Donc là, il me reste 12, il me reste 13 depuis. Donc en vrai, je peux en mettre encore 2 là. Du coup, j'ai un puits qui est pas utilisé, mais j'en ferai pas grand-chose. Ok, donc là, j'ai plus de puits. Enfin, il me reste 1, mais du coup, voilà. De toute façon, il fallait que j'arrive à moins 1, parce que sinon, c'est du gâchis. PA. On n'a pas le PA. Bon, ça, c'est une tenta un peu foireuse. On va voir comment on peut peut-être récupérer les choses. On va venir chercher la chance comme ça. Mais là, j'ai moins 3. On va faire tac, tac. Tac, tac, tac. Là, j'ai moins 12. Faut que je regarde comment je gère la vita. Je pense que je vais over et full repo en espérant avoir 2-6 et 2-5. Ça me paraît pas mal. Ok. Allez. Les grosses runes. Un peu de crit, ça met bien. Ok, ça se passe très bien. Faut juste que la ravite roll pas. C'est fine. 35, 6 restantes. En vrai, j'ai 39. On peut y aller comme ça. Ok, là j'ai eu plus 0,2. Si j'ai encore un plus 0,2, nice, je gagne une tenta. Donc là j'ai encore 36. Parce que vous voyez, j'avais 0,6 et là je venais gagner 0,4. Donc ça c'est évidemment, évidemment génial. Mais attendez, mais c'est un full perf ça, je reconnais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, en vrai je pense que je vais aller full pas. Là j'ai mon moins 16, j'ai ma bonne congruence. Donc il me reste 33. Il me reste 33, donc je peux mettre 16 et il me restera 1. On va y aller comme ça en vrai. Parce qu'il y a quand même plus de variance sur de l'appât. Hein. Il me reste encore 1 de plus. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, c'est plus 3, c'est pas 2. Bah je suis un bouffe. Mais oui, je sais pas pourquoi, je me suis embrouillé dans ma tête. Mais non, c'était pas 16, c'était 11. 33 divisé par 3 égale 16. GG à tous. Non, mais parce que vous voyez, il y a le puits qui est divisé par 2 sur les over, enfin sur les malus, etc. Bon, je me suis embrouillé. Ok, my bad, my bad, my bad, j'avoue. Dommage parce que là, ça aurait pu être beau, mais bon, de toute façon, le PA passe pas, donc tranquille. Tenta un peu bancal là, mais on prend, on prend. Bon, on va pas vivre, en vrai. Ok, Pacha, qui crit. J'ai envie de mettre une pataque en crit, voilà, comme ça je gagne du puits, vous voyez, c'est vraiment insane. Moins 9. On va venir mettre la Rainée, moins 10. C'est ok, bon ça va être une tenta un peu moyenne, mais bon, sait-on jamais. Moins 12. Alors c'est bien la peine de crit de la pataque si c'est pour prendre moins 12 sur un tackle, hein. Ça me régale. Vingt-quatre, six. Bon, c'est pas insane, on a 26 tentas. Ok, donc on va essayer de ne pas refaire la même. Donc là, j'ai 7 par époux. Hein. Et pas 10. Ok. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 98 depuis. On a une tenta parfaite. Là, j'ai le full perf. Hop, magnifique. Oh là là. Ça régale.
Bon, je vais mettre la décimale, mais j'ai peu de chances de récupérer quoi que ce soit dessus. On va mettre la petite rune qui crit, ça c'est bien ça. Mais ce serait pas la meilleure totale de la soirée, ça, par hasard? Mais si, si. 81 sur un full perf, les amis, c'est insane, hein. C'est insane. Juste pour vous montrer, si on était en exorèse, on aurait 13 tentats sur full perf, hein. Bon, voilà, vous faites vos... Hein. Vous en tirez vos conclusions. Donc, on a 81. Pourquoi ça me met 21? Ça commence. Ça commence. Allez, 81. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, 73. Je vais en avoir un en rab. Parce que là, vous voyez, j'ai 72 qui est un multiple de 3. J'ai 24 parés. Et il me restera un en plus. Ça, c'est beau. Toujours regarder les crits. Là, faut faire gaffe parce que ça peut aller très vite. Ok. Donc là, il me reste 34. De puits, hein. Donc 17. Donc 17, c'est chargé de 17 repos à mettre. Donc là, 1, 2, il m'en reste 15. Donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, dommage. J'aurais bien aimé que ça passe en positif sur le full pair, ça aurait été beau. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On n'a pas le PA. 97 de puits. Ouais, on va sécure un IRPerf propre à la pod. Ça sert à rien de full tryhard. Je pourrais tenter le double moins 6 à la repo, mais comme on n'a pas le perf sagesse, on va pas partir dans cette optique. Ok, j'ai plus 0,1. On va venir chercher. En vrai, je vais y aller comme ça, je pense. Rainer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Petit deux crit. Trente-quatre. Trente-deux. Ah mince. Ok, donc là j'ai 10 parés et il me restera 2 en rab. Ouh là là, ça fait beaucoup de verre là. Oh, j'aurais pas dû arrêter en fait, je serais parti dans l'espace. Non, donc j'ai encore 2 de puits. Ok, bon, c'est legit. Que se serait-il passé si j'avais pas interrompu la série de succès neutre là? On ne saura jamais. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On n'a pas le PA. 97,4 de puits. Faut s'occuper de la Vita. Hein. Ok. On va essayer de choper le Perfellini. Non. Tant pis. Ok, j'ai moins 12. -57. C'est parfait ça. 55. J'ai 18 en vrai. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Misclick. Attendez, là j'ai 55 de puits là-dessus. J'ai donc 18 en tas à l'appareil et il me restera un puits en rab. C'est juste parti. Ok, donc là il me reste 7 de puits. Bon, en vrai, go mettre une paire fou. Hein. Ça passe pas. Donc là j'ai 1, je peux rien en faire. Est-ce qu'on a le PA, les amis?
On n'a pas le PA. 93 depuis. Allez, la Vita, moins 30, ok, dommage. En vrai, je pense que je vais gore une fuite. Dommage, ça passe pas, mais au moins j'ai le moins 20. On va garder la chance pour la fin. J'ai fait quoi là? J'ai fait moins 23. Le puits qui part dans tous les sens là, hein, c'est un peu compliqué. Ok, le petit crit. Moins 12. 28 restants. On va tenter d'y aller comme ça. C'est un peu compliqué de passer de l'over à ce stade. 18, 21, 24, 27. Ouais, je pense que Ra c'est peut-être mieux en vrai, mais. Bon, c'est un bel over ça. Bah, magnifique ça. Pas de PA. Oh bah, c'est pas de chance. Ouais, j'aurais pas dû aller à la page, j'aurais dû aller à la Ra pour l'overiner. Bon, tant pis. 97 depuis. Moins 5. Moins 14. Du coup, je vais plutôt over comme ça, je pense. Hein. Nice, moins 10. On récup sur le 2 cri. Nice. Repo qui crit. Mais. Ok. Allez, il faut la ravie. Moins 7. Moins 30, dommage. Bon là, il me faut un moins 6, 3 moins 5. Le moins 6, please. Je suis à moins 15 du coup. Il me reste combien de puits? 31. J'arrive à moins 13. Ok, il me reste 28. C'est pas trop trop mal en vrai. Je peux mettre 9 par époux et j'aurai un de puits en rab. Ok, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 90 depuis. Plutôt stylé. Juste la chance et la vita à gérer. Aïe, dommage, on perd beaucoup sur la vita. J'ai hésité à mettre une réfixe, j'aurais peut-être dû. Il me reste 45. Bon, mais c'est pas mal ça, ça fait 15. 15 par époux. Merde, j'ai pas les bonnes congruences là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de combien? Attends, on va déjà y aller. Comme ça. Ah bah si ça passe plus, ok. Donc là il me reste 6. Ouais, c'est ce qui me semblait, ça a fait de la merde. Le PA passe pas, je me suis chié, j'ai pas mis la bonne congruence. Bon tant pis, on continue. 94 depuis. Vita. Ok, j'ai plus 0,1. Nice. Moins 7,5. Et là, c'est parfait, je récupère sur la chance. Oh oui, c'est bien ça. 66. Ouh là là, Satan, non. Pourquoi? Bah c'est parti en fait. 66. Allez, il faut que je sois là à 19, donc 65. Donc là, je peux mettre.
Je peux mettre 21 runes et il me restera 2 de puits. Voilà, parce que je m'étais chié la fois d'avant, on va éviter de refaire la même boulette. Bon. Une et deux. Ok. Est-ce qu'on a le PA? Oh, j'ai eu un crit. Donc j'ai encore 3. Une, deux et trois. Ok. Ouais, heureusement que j'ai eu. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On n'a pas le PA. Les PA repassent quand même pas beaucoup, hein. C'est un peu compliqué. Parce qu'il faut passer un PM après. Mais tranquille, tout va bien. 91 depuis. On pourrait. Là, on va ravir. On pourrait soit double pod. Ouais, on va faire ça. Soit on peut tenter un moins 26 au dos, quoi. Mais c'est un peu greedy. Ouais, tiens, on va être joueur. On va être joueur. On a moins 10. On va chercher le moins 26. Ah, bah, on a joué, on a perdu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de chance. Alors, on a ça. Qui passe du coup moins 8. -79. Et bien c'est parti. 19. Donc il me reste 78. Et ça c'est parfait parce que 78 c'est 26 par époux. Mais elle est comme ça direct. C'est parti. Ça, c'est plus compliqué les paris époux parce que ça peut aller très très vite. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait deux fois que je me plante. Ah, c'est là sur la calculette que j'ai mal écrit. Bon, on perd un peu d'over. Pas de PA de toute façon. Ok, c'est juste, j'ai mal écrit la calculatrice, on me dit. Ok, bon, faudra que je recheck. Ok, si c'est juste une faute de frappe, c'est ok. Par contre, si juste je me chie dans mon calcul, c'est encore pire. Donc, ok, bon, bah tant pis, next. 93 depuis. On va go comme ça. Comme ça. Comme ça. En vrai, je pourrais bourriner les pavis. Mais je suis pas hyper chaud non plus. Non, je vais plutôt. Prah, mais cela dit, si je bourrine les pavis, je sécure le. Vas-y, je vais faire ça en fait. On va être joueur un peu. On va go comme ça. Et on va y aller à la pavis. C'est legit. Ok. On a 14 et il reste 2. Ok, j'ai eu 2 crits, donc j'ai 8 depuis en rab. Donc ça veut dire 1, 2, 1 et 2. Ok, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 95 depuis. Bon, faut que la pavie troll pas trop. Nickel. C'est pas mal pour l'instant. 77, on va la faire juste à la repousse celle-là, tiens. Allez, on compte les crits. 1. 1. J'ai un crit pour l'instant. J'ai l'impression que ça passe moins bien quand je clique à la main, hein. C'est terrible. Hein.
Toujours un seul, ok. Donc j'ai 9 tentats encore et j'ai un du coup qui est inutilisé. Mais je peux y aller comme ça. Eh ben, décidément. Quand ça veut pas. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On n'a pas le PA. 98-4 depuis. Nice. Allez, il faut moins 5, moins 6. Non, c'était avant qu'il me fallait le moins 6. Ça, c'est vraiment le cas de figure le pire, quoi. T'as envie de tout casser quand ça te fait ça. Bon. Hop. Ok, on a moins 7. Tacle. Hop, hop, hop. Là, j'ai quoi? J'ai moins 17. Ok, moins 10. 54. C'est parti. On compte les crits comme toujours. Ok, donc là il m'en reste 6. Pas de crit. Dommage. Est-ce qu'on a le PA, les amis? C'est un peu abusé quand même, hein. 23 PA qui tombent et où ça repasse pas. Alors que c'est censé être plus facile parce qu'il n'y a pas le PM. Abusé. 97 depuis. Moi, je vais bourriner les pavis. Hein. Pas mal. 18. On va faire un petit overchance. Qu'on va récupérer ou pas. Allez, les dommages. Moins 10. 40. C'est parti. J'ai un œil qui regarde le nombre de récrits pour ne pas dépasser les zéros et un œil qui regarde les succès crits. Ok. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Oh, c'est bizarre ça, on n'a pas le PA. C'est vraiment pas de chance. 85 depuis. Moins 10. Moins 4. Moins 11. Moins 4. 56. 49. Un crit. J'ai 16, donc j'ai 8. Oh. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? Vraiment, on se pose la question. Hein. Oh, on n'a pas le PA, c'est pas de chance. 94 depuis. Ok, moins 13. On va sécure avec une refeu. Ok. Donc là j'ai plus 0, 1. Moins 1. Pacha, moins 3. Moins 30. Ça pique. Moins 4. Ok, le crit qui met bien. 43, donc 45. Un crit.
2 crit. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Oh, bah tiens. C'est le 26e PA qui tombe, c'est le premier qui repasse. 26e, hein. On a eu 25 qui sont pas repassés quand même, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on a le PM là-dessus, les amis? Par exemple. Oh, on n'a pas le PM, c'est pas de chance. On continue. 94 depuis. On va commencer par la Vita. Hop. On vient récupérer... En vrai, est-ce que je récupère l'over? Ou pas? Non, je vais plutôt y aller comme ça. Tech. Bon, moins 16, dommage. Parce que les over vont être galères à passer après. Alors lui, j'aurais dû le faire à la fin aussi. Bon, je fais nimp, ok. Tech. Ok, bon, ça passe bien. En vrai, on s'en sort bien. On a moins 20. Et là, je récupère ça sur du dommage. Moins 15. Le petit tacle. Moins 4. Il reste 45. Allez, allez, allez. Ok. Bon, c'est pas énorme. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Ok, là, on part sur un plus PM. On va Govita. À la pod, évidemment. Si je trouve. Hop. Parfait. La chance qui m'embête un peu. En vrai, je peux faire... Hop. Oh oui, c'est bien ça. Je peux récupérer avec 4. Évidemment, le crit quand on n'a pas besoin. On connaît, on connaît. En vrai, je peux faire... Repair. Bah oui. Bon, je vais full painer du coup. Bah ça me met plutôt bien cette histoire. Hein. Oh, le puits que ça m'a fait gratter là, c'est insane. J'ai juste un moins 3 pour toutes ces runes. Magnifique. Petite retrait PA à moins 7. -26 depuis. Bon, on va pas aller très loin avec ça, malheureusement. -22, j'ai 7 et il me restera 1. Moins 7, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 77 depuis. On peut aller chercher le père Vita avec une rune pod et compagnie. Je vais faire ça direct, parce qu'après il y aura l'overchance de toute façon à gérer. Bah parfait. Bah écoutez, on part là-dessus, ça me va. Bah c'est très bien ça. Bon, du coup on va oublier le G qui ressemble à un G. On va faire les choses à l'arrache. Voilà, maintenant on part en PA et on va commencer à s'amuser un peu plus. 99 depuis. On peut aller chercher le père Vita. On va test. Ok, ça pique un peu. On va go comme ça. Oh, le petit succès neutre un peu improbable. Bah c'est parti, on prend. La pod. Ok, en vrai on est pas trop mal là. Les congruences du coup sont bonnes, j'ai pas besoin d'over. Tout le reste est bien sur l'item. On sort du petit crit au calme. Alors oui, bah moi ça me va, hein. Y a pas de problème. Moins 0,5. On va y aller comme ça. Moins 6. Une rachat. Moins 13. En vrai je m'en sors hyper bien. Bon, dommage qu'on ait perdu beaucoup sur la Vita au début. 36 du coup. Ok, 11, il me restera 1. Ok, le petit dernier, le PA. On n'a pas de PA. 95 depuis.
Donc vraiment, on n'est pas trop mal là. Moins 10, 13, moins 16. 73, ok. Let's go. Oh nice, 72. On a 24 par époux. Allez, nice. Donc là, il me reste 3 de puits, donc une tenta. Ok, qui passe pas. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On a le PA. Ok, c'est là que on avait oublié qu'il y avait un PM sur l'item. Eh oui! Est-ce qu'on a le PM, les amis, sur ce moins de vita, moins de sagesse, over 19 repos? C'est pas trop mal. On n'a pas le PM. Bon, en remontant le G, là j'ai une tenta, enfin un peu bizarre, on va voir si on peut l'exploiter d'une façon ou d'une autre. On va go double pacha, rachat, ok bon évidemment si on full crit c'est mieux. En vrai, est-ce que je brûle les pavis? Ouf, 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 ouf. Ouais, je go bourrine les pavis. Ok, c'est vraiment très très fine. Moins 18. On va mettre ça comme ça. Qui crit. Rachat, qui crit. Mais décidément. Mais. Tant mieux en vrai, hein, y a pas de problème. Hein, mais c'est un peu stylé. On va mettre un dauphin. Donc là j'ai moins 5. On va se garder un dos à mettre. Moins 10. Comme ça je le récupère ici. Parfait. Et donc là, j'ai 55, c'est magnifique. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ok, en plus, ça passe. Donc 54, soit 18 par époux. Ok, je passe en manuel. D'accord, on a un 16 d'over du coup. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. 88 depuis. On va y aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Moins 3. Ok, moins 10. Le crit qui met bien. Moins 10. Moins 4. Et moins 12. 49. Parfait, 48. Ça nous fait 16. Ok, est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. Bon, le PA qui tombe juste après, en mode un peu sorti de nulle part là. Sur du full crit, il peut se passer quelque chose, donc on va test. On va voir déjà ce qu'on fait de la Vita. En vrai, on va juste essayer de choper quelque chose qui ressemble à un vrai G. Genre comme ça, tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4... ça fait moins 32. Petit crit à la pado. Ah, dommage. Moins 20. Bon, c'est une tenta en vrai. 45. Ça me fait 42. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? 42. Donc 14. Et il me reste 2. J'ai eu un... Ouh là là, ça part fort là. J'ai eu un crit. Allez, allez. Ok, donc là il me reste... J'en ai une de plus, il me reste 3 x 3, 9. Et 2, j'ai 11 de puits. 11 de puits, c'est... Une tenta comme ça.
2 simples. Ok. C'est pas mal en vrai. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 97 depuis. En vrai, on peut tenter Pavi. Ra. Il me faudrait un moins 10 qui passe pas là. C'est un peu tricky, mais on peut choper le full perf. Ok, moins 10, bon, c'est passé. Il faudrait que la pote tape dans la Vita et pas ailleurs. Oh, bah en vrai, c'est legit. C'est legit, il faut juste un moins 10 maintenant. Et voilà! On tryhard nos G ou pas en fait? On est où là? S'il vous plaît. Bon. Bah écoutez, regardez. On fait ça. On crit évidemment, comme ça plus de puits. Mais c'est... Oh là là, ça c'est l'attentat parfaite ça. Moins 8, 73, 78. Enfin, c'est insane là, la gestion de l'attentat. Absolument magnifique. Oh, si ça passe là-dessus, c'est une masterclass en vrai. On a... Ok. Faut que je fasse encore du plus 1. Faut que j'arrive à moins 16 comme ça. Parfait. Donc là, j'ai 73 restants. Donc j'ai 24 avec 1 de rab. Allez. Oh là là, l'attentat insane. Il me reste 31 depuis. Soit 5 tentats à la parée. Attendez, c'est bien ça, j'en avais 15. Ah ben non, j'en avais même plus, il m'en restait 15. 15, donc en fait j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'en restait 15. 15 qui pèse 3. Donc là j'en ai 7. Je me suis embrouillé, c'est bon, c'est terminé. Il me restait 46 depuis, c'est ça? Il me restait 46. Sauf que maintenant elle pèse plus 3, elle pèse 6. Donc j'en ai 7 et j'ai un peu de rab. C'est ça normalement. Oh, je me suis embrouillé. Et du coup, comme j'ai pas pris de 2, vas-y, on va dire c'est ok. Et donc là, il me reste. Il me reste 2. Attendez, est-ce que je me suis chié ou pas? Je pense que j'en ai encore une là. Voilà. Tout est sous contrôle, vous vous doutez bien que c'est sous contrôle. J'ai switch un peu vite et je me suis embrouillé. Bon, on est quand même sur un full perf 19 en over, donc c'est pas mal. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. 99 depuis. Moins 4. Moins 10. Moins 6. Moins 8. Moins 10. 63. Alors, 61. Donc j'ai 20 et il me restera 1. Allez. Ok, donc j'ai eu un crit, il me reste 6, 6 x 3, 18, 19 de puits restants. Donc ça, c'est 3 tentats par époux. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. 95 de puits. C'est pas... En vrai, c'est une belle tenta, là. On va go, hop, moins 3. On va mettre les petits dommages. Moins 10. Moins 27. 65.
Ok, ça nous fait 21 par époux. Je suis concentré comme... Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? What? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai oublié de compter un truc peut-être. Bah, j'avais 95, moins 3, moins 10, moins 27. Ah bah oui, j'avais pas compté le moins 10, je pense. Décidément, c'est compliqué, hein. Évidemment, le PA qui repasse là-dessus. Est-ce que je mets le PM ou je prends le... On va mettre le retrait PA avant. Parce que là, si le retrait PM passe, je vais tout casser. Si le PM passe. Bon, bref. Non, mais j'ai oublié le moins 10. Bah, my bad, hein. Écoutez, c'est un peu triste parce que là, c'était stylé, mais tant pis, on continue. 90 depuis. La vita. Moins 20. En vrai, il faudrait que je chope du moins 6. Je peux y aller comme ça, et il m'aurait fallu du moins 16 là. Là, il me faudrait un moins 6. Ouais, allez, encore un. Nice. Maintenant, il me faut juste du moins 2. Je peux tenter RFE. Parfait. Ok, donc ça, c'est cool. Ensuite, on a. Je vais. Il faut que je me concentre un peu parce que depuis le début de ce FM, je fais un peu n'importe quoi, je trouve. Mais c'est perturbant l'histoire des repous là, en over, machin, mais. Faut que j'arrête de faire nimp parce que je me gaspille des belles tentas. Moins 3. 67. -57. Ok. On va y aller comme ça. Là, j'ai fait moins 1 du coup. J'ai 56 restantes. Ok, 51. 51, c'est 17 fois 3, hein, on est d'accord. Hein. Cette fois-ci, pas d'entour les boules. Hein. Ok, 7, il me reste 14. 14. C'est deux parés. Et une simple. Ok, est-ce qu'on a le PA là-dessus? J'arrive toujours à moins 1, c'est un truc de fou. Hein. On n'a pas le PA. Évidemment, la vitalité full troll, hein, sinon ça aurait pu être stylé. Bon, là, il faut ravi. La question, c'est est-ce que je ravis maintenant? J'aurai 8 à récup. Ouais, je vais ravi, je pense. Hein. Ok, on perd pas trop de puits, c'est déjà un bon début. On va venir chercher le Dokri. Ok, il m'aurait fallu un moins 26 là, ça aurait été mieux. On va espérer avoir du. Je vais y aller la ligne, je pense. On va espérer avoir du moins 6. Je peux avoir double moins 6, on va le grid. Je peux encore choper un truc ici. Voilà, moins 4. Il me faudra un moins 3 là. Moins 4. Bon, on finit avec un moins 1 vita, c'est quand même tout à fait correct par rapport à ce que j'avais au début. Là, j'ai vraiment très le full perf parce que comme j'ai le 40 sagesse, ça pourrait me faire un full perf sur tout l'item. Donc on est comme ça, on a récupéré pas grand chose en puits. Bon, là, une broutille. Ah, j'avais 1,8. En vrai, je peux compter les décimales, ça peut valoir le coup. Donc là, j'ai. 0,8, j'ai plus 0,2. Ok, je gagne une tenta. Enfin, je gagne un de plus en tout cas. 75 du coup. On va venir mettre ça comme ça. Donc là, j'ai eu moins 10, plus 1, plus 1,4. 67,4. Moins 10. Moins 6. Moins 10. 43. C'est parti.
Ok, on a 41. Donc ça c'est 13 et il me restera 2. Il me reste 2 tentats, 1 et 2. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. Ok, la Rasa qui nous troll un peu. On va quand même essayer de la faire. On va go double passa, moins 9. On va passa. Dommage, moins 5. Patac. Petit crit. Tac, moins 4. Rachat, moins 20. 35 du coup. Ok, donc 32, j'ai 10 tentats, il restera 2. Ok, 1 et 2. Bon, c'est correct. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 98 depuis. Ok, on va garder la Vita pour la fin. On va mettre double chance. Double de crit. La passa. On va mettre rachat qui crit. Do crit qui crit pas. Aïe, moins 20. Ok. Moins 3. La ravie. Moins 10. 22. En vrai, je peux spam les repos, je pense. Faut 2 moins 6 et 2 moins 5. Allez. 1 moins 6, please. Nice. Ben voilà. Par contre, les repos, on va se faire foutre. Hein. Ok, j'ai 48. En vrai, c'est pas trop mal. 47. J'ai 15 tentats. Eh ben non, bon, j'ai plus de runes, on va y aller comme ça. Tranquille, 47, du coup, c'est parti. En vrai, avec juste les ripoux, c'est quand même plus marrant, je trouve. C'est marrant de voir le truc qui défile à gauche. Il y a un peu moins de variance, mais c'est plus amusant à faire. Ok, j'ai eu 0 crit. Est-ce qu'on a le PA? Oh! Est-ce qu'on a le PM? Oh! Ben c'est fini en fait! C'est marrant ça! Alors, Ah, je m'étais dit, en vrai, si on raisonne en termes juste de puits, vous voyez, pour considérer qu'on a l'équivalent d'un 3% raise, il faudrait 18 d'over. Là j'ai 17. Ah! J'ai eu des plus belles stats que ça quand même. Mais bon. De toute façon, en fait, là, je vais vous expliquer comment on va faire pour caler un PO là-dessus. Pour mettre un PO là-dessus, comme ça, on va rentrer vraiment là dans la catégorie item, tryhard, PVP pour des modes très précis. Ça va être des choses très très dures à faire. Là, vous voyez le temps qu'il nous a fallu pour avoir un G sur lequel on pourrait mettre un PO. Ce que je ferais, c'est que je m'en ferais une autre paire, et à chaque fois, je ferais la même chose sur une autre paire, et à chaque fois, la plus belle des deux, je la garderai pour PVP, et la plus basse, je la tenterai un PO. Et ça pour qu'à tout moment, j'en ai une dispo pour PVP sans PO, et si un jour j'ai de la chance, bah, j'en passerai un PO sur un gros G, voilà. Donc par on va dire une approche itérative pour optimiser les stuffs sur le long terme. Mais là, temporairement, voilà, j'ai beaucoup d'items à faire, et c'est pour PVP sur un mode que si ça se trouve... Je ne vais pas jouer plus longtemps que ça, donc peut-être que vous savez, ma météo Recraft, hein, ça bouge beaucoup. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, ça va déjà me permettre de jouer, et donc il y aura des sessions de tryhard sur ce genre de choses qui arriveront plus tard si je valide la volonté de jouer ça en PvP. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt!